En l'occurrence, son excellent Jovenel Moïse, l'y comprendre lorsque Jodia l'y prend ferme décision pour le capable d'installer le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, dont moi-même, c'est président. C'est une démarche importante qui est effectuée par le président de la République. Et démarche ça rentre dans la vision pour être capable de prendre en charge les plus nécessiteux qui souffrent à tort et à raison de incarcération, de emprisonnement, de détention, sans espoir que un jour la justice a prononcé sous soi. Geste ça, son geste qui digne d'un vrai patriote, d'un vrai père de famille, un père de famille qui est conscient de mission et de rôle vis-à-vis de son peuple et qui charrie des dolis la prétention de mettre fin à une justice inqualifiable qui réduit des êtres humains à leur plus simple expression. L'opérationnalisation de cette structure vitale pour la dignité des détenus et pour la réduction considérable du taux alarmant de la détention préventive prolongée est une décision historique allant dans le sens de la bataille pour la liberté et pour la dignité de la personne. Désormais, avec la mise en marche de cette structure, les inquiétudes des détenus et de leurs familles dues à leur pauvreté seront prises en charge par l'État. La Constitution haïtienne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres instruments juridiques dont Haïti est partie font du droit d'accès à la justice et du droit à la représentation légale un élément central de la vitalité d'un État de droit. Haïti donc, sous ce leadership responsable, emboîte le pas vers la concrétisation de ses engagements internationaux pris depuis le 10 décembre 1948, date de l'adoption de la DUDH sur l'assistance légale à l'égard des détenus. Je veux, à cette phase, saluer et remercier les efforts appréciables de nos partenaires techniques et financiers dans la mise sur pied de plusieurs bureaux d'assistance légale, baptisés BAL. Le gouvernement continue de compter sur votre appui de taille pour l'implémentation dans tous les départements géographiques du pays des BAL sous le contrôle du Conseil national d'assistance légale. Comme prévu dans la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, le fonds qui sera créé et qui financera les actions du CNAL comprendra, entre autres, les ressources extraordinaires qui sont fournies dans le cadre d'accords de coopération. Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, suivant la définition stipulative effectuée par la loi de l'assistance légale, il ne s'agit pas seulement de rendre la justice accessible à tous, l'assistance juridique permettra également d'améliorer la compréhension du droit, de la justice et de ses institutions. Elle contribuera du même coup à prévenir les conflits et à favoriser le règlement des différends. C'est donc un outil important pour l'avenir du droit et de la justice dans ce pays. C'est également un moyen efficace qui devra permettre à la justice de jouer sa vraie partition dans cette lutte contre les abus, contre les discriminations au sein de l'appareil judiciaire. J'attire l'attention des acteurs judiciaires que le sens de l'assistance, qui est accessible à toute personne éligible, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de race ou de toute autre considération, qu'il soit Tiroc, Ti-Claude, Ti-Joseph, Ti-Pierre, Ti-Moïse, Ti-Michel, se trouve dans la gratuité et dans la qualité des représentants mis à la disposition des bénéficiaires. C'est une prise en charge intégrale allant du début du procès jusqu'à la fin de toute la procédure, conformément à la vision inclusive du président de la République qui manifeste toujours son attachement pour les plus faibles et les plus lents. Enfin, l'installation de ce jour est un pas important dans la bonne direction. Il revient maintenant aux différents acteurs d'harmoniser leurs efforts dans le sens de la prise en compte de la dignité humaine. Le système judiciaire ne doit laisser personne de côté. Il faut condamner ceux qui le méritent et acquitter ceux qui sont innocents. Le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, désormais investi de ses fonctions, se met tout de suite au travail pour le triomphe de la justice et de la liberté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. L'article 136 de la Constitution fait du président de la République le garant des institutions. Donc c'est dans cette idée, dans cette optique, que le président s'attelle à renforcer les institutions. Et l'installation d'aujourd'hui du Conseil national d'assistance légale rentre dans l'idée de renforcer la justice. Le président de la République, dans ses mots de circonstance. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Président du Conseil national d'assistance légale, Madame, Messieurs les membres du Conseil national d'assistance légale, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame, Monsieur les doyens des tribunaux de première instance, Messieurs les commissaires du gouvernement, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du commandement de la PNH, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite et télévisée et en ligne. Le 9 septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, j'ai pris un arrêté nommant les membres du Conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, CNAL. Cette décision traduit ma volonté de permettre à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'accéder à la justice, indépendamment de leur situation économique ou financière. Car renforcer pour toutes et tous le droit d'accès à la justice est une obligation de l'État envers ses citoyens. C'est un devoir de la nation vis-à-vis des plus faibles, des plus vulnérables et des plus démunis. Nos frères et sœurs doivent jouir pleinement d'une assistance qualifiée d'avocats, ce sans aucune contrainte et sans aucune considération due à leur précarité. L'installation aujourd'hui du conseil d'administration du CNAL dit l'intérêt que mon administration porte au laissés pour compte, celles et ceux qui sont abandonnés à leur sort en prison uniquement parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques nécessaires au traitement de leur dossier. L'installation de ce conseil d'administration est un acte de bienveillance judiciaire. C'est une nouvelle ère, un nouveau départ, un nouveau soleil qui se lève pour ces oubliés de la République, pour mes frères et sœurs qui croupissent dans nos prisons à cause de leur pauvreté. L'État s'engage à prendre en charge toutes les dépenses juridiques et judiciaires de toute personne répondant aux critères définis par la loi sur l'assistance légale. Le combat contre la discrimination, le combat pour l'égalité devant la justice est autant celui de l'État que celui de chaque citoyen, chaque citoyenne. Compromettre ou léser la liberté d'une personne qui ne peut pas se défendre dignement par le fait de sa mauvaise situation économique est un acte discriminatoire que la société, par l'entraide, par la mise en commun, par fraternité, doit éradiquer. La pauvreté ne doit plus être un motif de condamnation sans jugement. Le système judiciaire doit cesser d'être le bourreau des détenus. Laisser croupir un être humain pendant 10 ans et plus dans une cellule, sans aucun jugement préalable, sans aucune condamnation, est un acte grave qui viole la dignité humaine. Je tiens à rappeler à tous les acteurs du système judiciaire, qu'ils soient huissiers, greffiers, parquetiers, policiers, juges de siège, juges d'instruction, avocats et autres, que la dignité humaine est le fondement de tous les autres droits. Dans les dispositions préambulaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les États civilisés avaient affirmé que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Cette structure que je rends opérationnelle aujourd'hui permettra à l'État de combattre la détention préventive prolongée qui est une injustice criante et représente une atteinte grave aux droits fondamentaux. Cette assistance légale favorisera et encouragera le respect de la liberté individuelle et surtout de la dignité humaine. Le Conseil national d'assistance légale est pour l'État cet outil important qui contribuera à désengorger les prisons. Il représente aussi la matérialisation de notre vision axée sur l'humain, sur les plus vulnérables et sur les marginalisés. Il est important de souligner que l'article 9 de la loi sur l'assistance légale consacre la gratuité de l'assistance juridique. Les assistés sont ainsi dispensés de tout droit de greffe, d'enregistrement, de timbre et de tout autre frais de justice généralement quelconque. D'autre part, dans le cadre de notre politique de prise en charge des mineurs, l'article 16 de la même loi accorde d'office l'assistance judiciaire à toute personne mineure en conflit avec la loi, sans exigence de preuve de situation économique ou financière précaire. Mesdames, Messieurs, Madame, Messieurs les membres du Conseil d'administration du CNAL, la tâche qui vous incombe est avant tout citoyenne. La citoyenneté exige un haut sens de civisme et de fraternité. C'est dans cet esprit que le législateur, au terme de l'article 24 de la loi sur l'assistance légale, interdit toute rémunération pour ce travail patriotique. Il vous revient de construire les structures fondationnelles du CNAL et d'assurer sa pérennisation. Il est urgent de prendre toutes les dispositions afin de rendre disponible le fonds d'assistance légale prévu à l'article 70 de cette loi, lequel fonds, provenant de plusieurs sources préalablement identifiées, permettra le fonctionnement régulier des services d'assistance légale. Dans le prochain budget rectifié, j'instruis le ministre des Finances de prendre toutes les mesures pour alimenter ce fonds. De ce fonds dépend, messieurs les membres du Conseil d'administration, l'efficacité des actions urgentes que vous êtes instruits d'entamer incessamment. J'appelle à la convergence des forces, à la réunion des moyens, à la solidarité entre les structures chargées du bon fonctionnement de la justice. Servir la République est un honneur et un acte de dignité. De vous tous et de chacun de vous dépend la cohésion de la nation et sa survie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Haïtiens, Haïtiennes, qui vivent dans 4 coins pays et dans la diaspora, moi songez à l'MT réuni gros autobré dans l'État pour salutation dans finissement année 2020. Moi te dis une phrase que moi je vais répéter encore aujourd'hui. Moi te souhaité justice la tourner tout bon vrai, femme, j'ai bandé ça. J'ai marié ça avec un mouchoir noir qui s'en passe pour qui dans sa vie mon pauvre tant que mon riche. Moun peau jaune tant que moun peau noir, moun en haut tant que moun en bas, moun la ville tant que moun en dehors. Gapil moun qui croit c'est eux qui mettent pays. Et moun sa qui aime justice pays parfois en bas zong yo, qui aime la notage. Mais m'a dit yo tout, yo même yo mérité justice. Même les gens qui ont tout nos potés, les gens qui sont loin, 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 les oubliés de la République, gros orteils, tête canaille, les gens qui ne connaissent pas les gens, ils ont droit tout pour jouer une justice. Même les gens qui dans les affaires d'identification, ils ont plus passé. 3 millions de personnes qui ne sont pas bien baptisées. Décision prend pour que eux-mêmes, ces oubliés de la République, ils aient un acte de naissance. Même si les gens ne faut nous pas oublier qu'ils ont droit à la justice. Les accroupis en prison, faut nous pas oublier nous-mêmes petits. Nous-mêmes, que nous faisons sacrifice, camions chavirés avec nous, nous mourons dans le voyage pour mettre nous à l'école, pour éduquer nous. Jodia, nous arrivons président, nous ministres, nous gros chefs, Jodia, nous membres du conseil d'administration CNAL. Mais qui ça n'a pas dit à tout ça? Et c'est peut-être ça, décision, grosse décision ça que je prends aujourd'hui. Moi, je prends. Pour que les gens sachent, ils ont une justice, même avec gros autobus qui ont l'argent, qui sont riches, qui comprennent, ils ont fait ça avec la justice pays. Et je dis, qui ce peuple a constaté? C'est un coup de justice n'a pas existé pour malheureux, ni pour les gens de bien qui va dans la corruption. D'ailleurs, une série de cabinet d'avocats, 100 $ américains, ils ont demandé. Comme blé pour défendre le monde. Et quand tout le pays, nous tous connaissons, c'est goudlien. tribunal en grève. Mais depuis que je suis président, c'est sorti en grève, tombé en grève. Tribunal en grève pour tout malheureux. Pour tout petit peuple là. Mais depuis c'est pour libérer les gens qui ont fait coup d'État. Criminels qui ont fait sans peuple à couler. Qui ont fait l'autre pays. Qui empêchent les gens d'aller à l'école. Qui ont distribué des armes et munitions par les bandits. Qui ont crasé les machines. Qui ont boulé les camionnettes tap-tap. Qui ont boulé les camions malheureux dans la rue. Qui ont boulé les machines de l'État. Qui ont boulé les institutions publiques. Qui ont boulé le tribunal tout, à commissariat. Tout tribunal ouvert pour faire audience. Peuple là, demandez-nous ouvrir les yeux. Ouvrir les genoux pour nous prendre note, pour nous comprendre que je dis. C'est pour ça que nous décidons de moderniser l'État. C'est pour ça que nous décidons d'installer le conseil d'administration CNAL là. Parce que, il y a pile dans nous qui ne sont pas capables de faire avocat. Devoir l'État, c'est mettre avocat pour plaider cause, pas nous. Sans, nous pas bien pour nous payer 5 hommes. Et je voulais ça clair pour le conseil d'administration aujourd'hui. Avocat qui prend le gain pour plaider cause malheureuse et malheureuse dans la prison, dans toute juridiction du pays, songez que malheureux et malheureuse, ça n'a pas bien 5 hommes pour payer. Pour ne pas attendre, dans la radio, sur les réseaux sociaux, il y a un corps en bas qui commence à bailler dans les affaires avocats qui sont là pour défendre une cause sans voix. Avocats qui sont là pour défendre une cause, moun que vous pensez que pas de droit. Il n'est pas possible pour un bon monde en prison depuis un mois, depuis une année, parfois même depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans même, sans. Ils n'ont pas jugé. Et pourtant, parfois, c'est un délit mineur qu'ils ont fait. Parce que les gens ont eu une petite discussion entre eux, ou bien avec un voisinage. Vieux paroles répétées, et puis l'arrestation mettait pied. C'est rôle par la police. Depuis qu'il y a une discussion, côté il y a une bataille, coup de roche, coup de bouteille carralée. C'est normal pour la police, les mettre main. Et les gens, les plus souvent, le reconnaissent dans la prison. Nous ne pouvons pas encourager vol ni délinquance. Mais nous demandons faut que juge fait le job. Nous devons combattre la détention préventive net à l'ESA avec toute force. Nous. Depuis longtemps, malheureux, c'est plus gros victime dans la question de la justice. Parce que ils ne connaissent pas comment le tribunal fonctionne, qui rôle un avocat, qui rôle un commissaire gouvernement, qui rôle un juge de paix, et qui ça la loi dit. Quant à pour assistance légale, là, pour citoyens qui sont vulnérables, ça n'a jamais existé comme ça doit. Résultat, il y a une prison qui bourrée à monde et problème de détention préventive net à l'air, vient tourner un gros cancer pour l'État. Prison, yo plein. Et pourtant, en pile dans le monde, yo presque fin pige peine yo pour ça yo te faire. Ça veut dire si tout le monde yo te jugé, nous te gen droit ouais 60 à 70% monde qui dans prison dans pays pas en prison. Mais c'est pour ça je dis. Moun m'a installé le matin, m'a rappelé nous que responsabilité nous, c'est accompagner le travail même scénario. Assurez-nous que même Conseil national là présent, tout côté, dans toute prison, dans tout commissariat, dans tout bureau commissaire gouvernement, dans tout tribunal pour aider sac plus faible bio. Moi-même nous pas un côté dans le pays, m'pa passer. M'pa passer tout côté. Je parle à tout le monde parce que je connais Haïti, c'est 27 750 km². Haïti, c'est 572 sections communales et c'est environ 150 communes qui sont liées. Moi, comptez sur nous en pile. Moi, instruis-nous pour nous être proches même CNAL. Il y a une façon pour aider à diminuer la quantité de monde qui est en détention préventive net à l'air. Je profite, voyez un appel à tout acteur qui est dans le système judiciaire haïtien. Pour m'expliquer, l'air au camp de travail, c'est malheureux qui nous fait souffrir plus. Moi, invite nous à résoudre le problème dans le dialogue. Parce que le plus bon moyen, le plus bon manière pour nous résoudre le problème, c'est là nous yon, nous chita par la clotte. Et puis, je profite de l'occasion pour me dire, si on choisit la justice, c'est pour camper loin politique. Parce que c'est pour ça la Constitution est claire. Elle dit, trois pouvoirs sont indépendants. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Ça veut dire, il y a des gens qui travaillent dans le pouvoir judiciaire, ça veut dire dans le système judiciaire, qui veulent faire politique. Il y a des gens qui travaillent dans le système judiciaire, là, qui veulent pratiquer le métier d'avocat. On sait le choix. On gagne. Ou quitter ça, ça veut dire démissionner. Après ça, soulevez-vous magistrat, casette, député, sénateur, président. On va faire campagne. C'est simple. C'est pas compliqué. Mais c'est nous-mêmes qui compliquons. Parce que nous voyons ce qui a passé qu'on y a. Ou pas capable de juger. Et puis l'on finit pour président de la République à la fois. Sous juge, c'est juge. Même moi-même, pas capable président pour me dire juge à la fois. Je ne suis pas capable juge dans la Cour de cassation et puis pour mon président. Eh bien, c'est même genre. Ou pas qu'à juge, et puis pour venir président à la fois. Ça veut dire là, un petit problème technique. Et puis tout, ou pas qu'à juge pour venir avocat tout. Sous sa avocat, ou là pour plaider cause justiciable. Et sous ses juges, ou là pour juger. Ça veut dire, c'est soit ou libéré, ou bien ou condamné. C'est une ou l'autre. Nous pas qu'à faire tout deux à la fois. Je profite de l'occasion pour me dire, frère, soeur, qui n'a pas le pouvoir judiciaire là, pour connaître aujourd'hui, il faut réveiller, pour connaître les affaires, pouvoir exécutif là, les affaires politiques, pas les affaires pas. Ils ne sont pas là pour parler dans les affaires politiques, ils sont là pour parler dans les affaires de la justice. Même gens nous-mêmes tout, dans le pouvoir exécutif là tout. La loi bail qui moun dans pouvoir exécutif là qui peut jouer lien, qui peut jouer rôle liaison avec pouvoir judiciaire là. C'est ministre justice là. Et c'est pour ça tout ça dans le niveau pouvoir exécutif nous-mêmes nous gain pour avec justice là, c'est à travers le ministère justice que nous fait. Et c'est même gens tout la justice les mêmes les gain pour le passer tout par ministère justice tout ça qui vient pour nous faire et puis pour nous travailler ensemble. Tant que des pouvoirs pour nous rendre le pays vivable. Ça veut dire pour nous faire justice à monde qui mérite justice parce que sans justice, pas de démocratie, sans justice, pas de développement, sans justice, pas de croissance économique, sans justice, pas de pays tout court. Depuis pas de justice, c'est chaos, c'est brigandaille, c'est tête chargée. Bâtir une démocratie, pas facile. Nous, depuis qu'il est, nous commençons. Ça fait 35 années. Depuis 1986, nous entrons dans l'ère démocratique. En 1987, nous décidons, nous faisons constitution. Et nous tous connaissons qui Jean, 29 mars 1987, qui Jean constitution ça, il était passé. Ça veut dire peuple là, souverain. Mettre pouvoir, peuple haïtien. Parce que moi-même, quand je parle avec mon là, je suis locataire. L'autre moyen, ce n'est pas moi qui parle. Peuple là, admettons l'autre monde. Parce que pouvoir, il nomme le peuple là d'une manière permanente. Le Sahara, peuple là, en 1987, mais peut-être que tu as caché ça pour lui, dans l'article 284-3, même constitution le voté, il a dit ces dernières fois qu'elle a gagné droit à être en constitution. Et pourtant, après 35 ans, 35 l'année, nous ouais, dans qui katou bombe que nous y aujourd'hui. C'est pour ça nous croyons que moment arrivé pour même exercice ça que tu fait là côté nous te bail souverain en dit mol faut nous cabalil pour le dire mol encore. C'est pas dans micro pour venir dire, c'est pas dans manifestation. C'est non ligne avec un bulletin secret pour venir dire si oui ou non ou voulez on l'autre constitution pour pays. Bâtir en démocratie, c'est dans le dialogue. C'est dans mettre bonjour institution campée tant que bureau assistance légale. C'est dans ça qu'on a bâti la démocratie. Moi, j'invite nous tous à participer à résoudre les gros problèmes pays à gagner. Comme ça, nous avons réussi ensemble. Nous avons demandé pour le pouvoir judiciaire là, jouer rôle pâle. Parce que trop souvent, pour ne pas dire, en pile fois même, c'est le pouvoir exécutif là qui est responsable de toute dérive, toute tête chargée qui fait dans le système judiciaire là. Je profite de l'occasion pour demander à tout le monde qui est dans l'institution candidat pour le pouvoir judiciaire, frère Maxime qui est dans le CSPJ, pour me dire que Jodia, moment arrivé pour toute bagaille faite dans la transparence, pour toute bagaille faite correctement. Ça veut dire pour nous capables de mettre campé institution ça que nous connaissons qui non phase côté élection a fait la dernière que me complimenter, me féliciter parce que moi ça a commencé à marcher. Mais m'a demandé pour ça continuer à faire pour que moi-même qui là qui pour voyager garder sur toute institution m'a voyager garder sur les tout pour m'assurer que toute bagaille bien passée parce que nous-mêmes aujourd'hui Haïti nous tout rêver c'est nous tous ensemble quel que soit membre pouvoir côtoyer c'est nous tous ensemble qui pour coller les épaules pour nous capables de mettre le pays sous route changement et développement tout bon vrai. Les frères nous, c'est nous, famille nous dans prison, nous n'avons pas l'argent pour nous payer avocat. M'a dit nous peuple là. C'est là pour ça. L'a assisté nous. L'a conseillé nous. L'a ban nous avocat qui parle défendre nous devant juge dans le tribunal sans nous pas bien pour nous payer une pièce. Mais songe, la loi qui mettait CNAL là sous pied, il dit qu'il y a une bonne manière pour sa fête. Ça veut dire, l'on a besoin d'assistance légale, les gens qui l'ont pour ça. Je voulais parler de BAL, bureau assistance légale. Il y a bien pour expliquer nous qu'il y a une bonne manière que ça marche. Parce que, pas oublier, ce n'est pas tout le monde que CNAL il là pour l'assistance légale parce que les gens qui ont des moyens économiques ne sont pas obligés d'avoir assistance légale parce que si vous avez une capacité et possibilité pour payer avocat pour défendre une cause, ils ne sont pas capables de prendre en charge. Je veux ça clair pour tout le monde. Pour tout le monde connaît que aujourd'hui, le Sénat là, il est monté pour nous protéger les gens qui sont faibles. Les gens qui n'ont pas de moyens, c'est pour ça que le Sénat est là. Pour me finir, je demande à tout acteur politique et aux gens qui sont dans la société civile là. Tout le monde à la ronde qui concerne pas la situation de crise que le pays a connue depuis 35 ans. Quand le monde dans des cas parler, c'est un coup c'est aujourd'hui le pays est en crise. Haïti est en crise depuis nous tous, nous sommes mettez tête ensemble pour nous dévouer la dictature. Mais depuis les atouts, nous ne pouvons jamais mettre tête ensemble pour nous diriger le pays. Jamais. 35 ans, moi-même, on suis supposé 7e président d'Haïti. Aujourd'hui, je suis 19e. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, ça, moi, je crois que dans tête l'État, après 3 ans, 2 mois, 29 jours, moi, ouais, il est clair. Pas de gens qui nous résout le problème, ça. Si nous ne mettons pas tête nous ensemble, pour nous joindre un bon pacte, vivre ensemble, pour l'année qui va venir, pour le pays, tu es capable de rallonger souffle, pour le rallonger vent, pour nous suspendre la police problème, toute la journée, pour les policiers, c'est eux-mêmes qui sont là pour bataille contre gang, pour bataille contre les gens qui font des ordres. Mais entre nous, acteurs, maintenant de nous, suspendre notre tête, pas nous. Parce que si c'est nous-mêmes qui nous regardons, on prend l'exemple moi-même. Depuis que je suis président, 7 février 2017, je suis en seul bagage. Dialogue, on nous chita. Mais pendant ce temps-là, je ne peux pas camper dans le dialogue. Parce que si je suis campé dans le dialogue, je ne peux pas construire Marion. Centrale électrique, Carrefour, qui a construit là, je ne peux pas construire. Route Port de Paix, qui a construit, je ne peux pas construire. Lumière, qui a mis en pile côté dans le pays, je ne peux pas faire. Mon petit bureau qui a de l'eau potable pour boire. Kounia, les Anglais, les portables, les rochabato, pas bien de l'eau. Ça veut dire, ça, c'est important pour nous comprendre que nous ne pouvons pas attendre le dialogue là seulement. Barrage qui a construit sur Grande Rivière du Nord, on parle de barrage, la tannerie, pas construit. Route qui a construit dans le bas nord-ouest, pas fait. Aéroport Jérémy, pas construit, si nous attendons. Que pour nous chita attendre le dialogue là. Pendant l'appel de dialogue là, dans le bord droit, nous travaillons dans le bord gauche. Parce que le mandat en président, il fait pour un contenu, il n'est pas fait sans contenu. Mais, je dis, frère Maxime, qui dans l'opposition politique, les gens qui sont dans la société civile, on nous garde ensemble, mettez orgueil nous sous-côté pour nous voir les gens qui vont venir, les générations futures. On ne peut pas garder nous-mêmes aujourd'hui, parce que l'âge nous vient aujourd'hui, c'est aller nous parler. On a des jeunes, on a des gens qui tout le temps, qui exaspérés avec la situation du pays. Moi-même, après tant que je passe dans la tête de l'État, je finis de comprendre qu'il y a un rôle que la politique gagne dans le destin de la nation. Je dis nous que la politique là, est primordiale. C'est lui-même qui l'a pour définir qui est la plus bonne manière pour le pays capable de sortir dans le sous-développement, dans la pauvreté, qui est la plus bonne manière nous résoudre le problème de l'insécurité que nous avons, le problème de la vie chère que nous avons, la politique là, les jouer un gros rôle. Ça veut dire acteurs politiques, où est-ce ne pas mener nous aucun côté. On nous est pays ensemble, on nous est jeunes, on nous est diaspora, on nous est femmes, on nous est paysans, on nous est pour nous comment nous sommes capables. Ouais, ça nous tout rêver pour le pays. M'pas ouais qui ça ça baille. Rachement yok baille terre blanche. M'a voyo aller vivre à Kaba. C'est eux même n'attendait depuis 35 ans. Et pourtant mes côté nous. C'est vivre avec Abba qui mettez nous là. C'est rachement yok baille terre blanche. C'est mettre clé en bas porte là mettez nous là. Mais qui côté le mettez nous? Les mettez nous dans situation côté nous c'est la risée du monde entier. Côté tout pays bouca avec nous. Moi même moi quand dis nous ça, parfois il y a des étrangers m'a parlé avec lui, ou presque mettre tête à terre parce qu'on gêne pour comment que nous même comme premier citoyen pays ou t'as aimé ouais pays à déraper. Mais pour une raison ou pour l'autre, il y a des intérêts individuels, il y a des gros mains invisibles, il y a des éminences grises qui, depuis au fin de tuer des salines, c'est même mais ça toujours là, qui cachent pas derrière, qui mettent un roche dans même, qui mettent un roche dans mon frère qui est en opposition, et puis au fait, nous y en a pour mal l'autre. Et pourtant, eux-mêmes, ils ont pris dans gros divin, dans gros champagne, dans gros hôtel, dans gros salon, dans gros plage. Et puis nous-mêmes, nous bataillons contre l'autre. Je dis à nous, venez nous garder l'autre dans les yeux. pour nous suspendre la bataille avec l'autre, pour nous goumer pour l'autre, pour nous goumer pour le développement du pays, pour nous goumer pour côté pas une route construite dans le pays à construire, pour les gens qui vivent en sa pite, ils ont une frontière même avec les gens qui vivent avec voisins. Les gens qui vivent avec voisins sont dans la frontière la caille. C'est soit asphalte qui marché pour arriver juste dans la capitale la caille. Et pourtant, les gens qui vivent en sa pite là, ils ont 99, disons 98 km de Port-au-Prince. Parfois, ils ont mettre 2 ou 3 jours pour arriver dans la capitale. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. C'est nous-mêmes qui causons. M'assumer pour me dire moi-même, je n'ai pas de responsabilité, pas de tout. Mais je dis, je veux ensemble, nous mettons tête nous ensemble pour nous sortir du pays dans sa liée, pour nous construire route, construire réseau électrique dans tout le pays, mettre lumière dans tout le pays, construire barrage d'irrigation dans tout le pays, pour nous produire manger, pour tout Haïtien qui a mangé comme ça doit, parce que l'on pays a parlé de souveraineté, premier droit pour gagner, premier souveraineté pour gagner, c'est le coca-bail peu pour manger. Parce que si vous n'avez pas peur pour manger, c'est même gens on maman à compas pas lever dans le matin, ou bien 3 petits mouns. Et puis, il y a gado, il y a crié, ou pas de moyen pour manger, ça veut dire ou pas maman, ou pas papa. C'est même gens, on a position côté mieux aujourd'hui, ou président d'un pays comme ça, ou pas, ou bien 3 millions à 5 millions de monde qui ont des problèmes, qui n'ont pas qu'à manger dans le pays, ou bien responsabilité face à eux. Ça veut dire 4 ans et 3 mois après. Je comprends. Et c'est pour ça que je dis que je comprends aujourd'hui. Le moment arrivé pour nous faire gros geste. Un geste patriotique qui peut permettre tout le monde, pas dire qu'on arrive trop loin, personne ne va arriver trop loin. Tout le monde ensemble, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous barrer la route avec agent de division. Grand manger, faux prophète, gros taureau qui a crasé le pays depuis qu'ils ont fini de tuer des salines. Ils ont fini de tuer des salines. À chaque fois que le président vient pour fonder le pays, il diabolise. Nous songeons Sylvain Salnab, il fusille sur une place publique. Nous songeons Saint-Tinatis Lecomte, il sauté par les nationales avec les 1000 soldats. Nous songeons Vilbouin Guillaume Sam, il traîné dans la rue, fait peuple à le prendre, tuer. Nous songeons président estimé, il exilé. Après ça, il mourit dans conditions drôles. Sans personne, pas de connaître. Dernier en date, c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui fait 10 ans pour le faire 2 mandats, il fait 4 ans, 10 mois, pendant 3 fois. Moment arrivé, moi-même, Jodia, comme président de la République, m'a dit non. Les papes qui continuent comme ça, monsieur. Et nous-mêmes, l'homme t'a dit, nous sommes dans un discours, il y a des gens. Il faut taper au sous-dos, mais moi ça te fait mal. Quand pile moun qui te font pile en coulé. Mais m'a dit peuple là, je dis à moun ça faut nous taper au sous-dos mais pour suspendre diviser pays ça pour rayer. Pour suspendre faire nous-mêmes qui parler créole nous yon en face l'autre. Pour suspendre craser, briser dans pays parce que c'est nous-mêmes qui gagne sang nous, c'est nous-mêmes qui gagne l'âme nous, c'est nous-mêmes qui gagne sueur nous que t'es ça boire. On nous met tête ensemble pour nous retirer petite nous, avec petite nous. Dans ça, je veux dire. Vive en justice accessible pour toute société. Vive Haïti, aïe bobo Haïti. Merci, Monsieur le Président. Nous avons souhaité bon travail à tous ceux qui font partie de outils ça. Et nous avons souhaité, ou même citoyens, nous n'avons pas souhaité que vous le fassiez. Infraction pour tomber en la justice, mais si ça t'arrive, vous êtes capable de joindre soutien ça pour capable aider. Voilà qui met fin à cette cérémonie. Nous allons procéder à la traditionnelle photo de famille, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre AI, avec les membres du Conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale. Merci en pile tout le monde. À la prochaine. Photo de famille, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur, Madame. Les membres du conseil d'administration veulent rejoindre le président de la République, le Premier ministre.